Je viens avec ma casquette AWS, donc je vais avoir un discours un peu différent de celui de Bradley. Évidemment, on a un point de vue différent. Ceci dit, les technologies dont je vais parler aujourd'hui, c'est vrai que je vais les illustrer avec les services AWS, mais elles s'appliquent à tous les clouds. Je vais montrer des services AWS, mais l'approche dont je vais parler, qui est comment collecter des données à grande échelle, comment les analyser, comment tirer de l'information de ces données, peut s'appliquer à différents cloud vendors. En revanche, on ne pense pas, nous, qu'une approche multi-cloud soit intéressante pour deux raisons. D'abord, il y a une courbe d'apprentissage à une approche cloud, quelle qu'elle soit. Et donc, si on fait une approche multi-cloud, ben, on multiplie sa courbe d'apprentissage également. Ce n'est pas un cloud vendor qu'il faut apprendre, mais deux, voire trois. Et puis, vous manquez peut-être des bénéfices d'économie d'échelle. Quand vous mettez beaucoup de données sur AWS ou sur Microsoft ou chez Google, vous avez des discounts assez importants. Donc, pouvoir capitaliser sur un vendeur vous permet d'économiser aussi en matière de coûts et probablement d'avoir des meilleurs prix auprès de ce vendeur là aussi. Voilà, c'était les deux premières réflexions que j'avais suite au talk d'avant. Donc l'idée des prochaines 30 minutes, c'est de voir comment vous allez pouvoir tirer de la valeur de la donnée. Jusqu'à présent, je suppose qu'il n'y a rien de nouveau pour vous. Vous avez déjà vu ce genre de slide. Comment ingérer des gros volumes de données aujourd'hui? Nous sommes... Je vais vous laisser rentrer. Venez, il y a encore des places devant. N'hésitez pas. C'est comme à l'école, les meilleures places sont devant. Donc comment ingérer de la donnée à l'échelle d'Internet aujourd'hui où nous avons des senseurs, où nous avons des sources de données qu'on ne maîtrise pas nécessairement, comme les réseaux sociaux, comme différents systèmes externes, comment stocker de gros volumes de données, de très gros volumes de données, vous avez parlé de petabytes de données, et c'est quelque chose qu'on voit souvent chez nos clients, des clients qui ingèrent des centaines de gigabytes, voire des terabytes par jour, parfois juste pour des logs, comment transformer cela efficacement, et puis comment consommer ces données. Donc le concept aujourd'hui, c'est le concept du data lake, après avoir fait du data warehouse, après avoir fait du big data, c'est centraliser, avoir un endroit central où vous pouvez mettre toutes les données de la société, toutes les données de l'organisation, avoir un espèce de déversoir où tous les systèmes peuvent aller mettre, déposer des données, sans nécessairement devoir, dès le départ, les transformer, sans nécessairement devoir les structurer. Donc l'idée du data lake, c'est vraiment d'avoir un espace standard de stockage de données, tout type de données, ça peut être du CSV, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être des dumps de bases de données, où vous allez pouvoir renforcer la sécurité, qui a accès à quelles données, et vous allez pouvoir définir vos processus de transformation de vos données pour pouvoir les exporter ensuite ou les utiliser, les analyser ensuite, et le tout au coût le plus faible possible. La majorité des data lakes aujourd'hui sont sur AWS parce qu'on rend la possibilité de stocker de gros volumes de données et d'exploiter ces données très très simple et relativement peu cher comparé à d'autres solutions on-premises. Vous allez voir des noms de toutes les entreprises, de toutes différentes tailles d'entreprises ici dans différents secteurs d'activité, que ce soit des startups qui ont bien évolué, beaucoup qui ne sont plus des startups maintenant comme Airbnb ou Netflix, ou des grandes entreprises dans le monde de la finance, dans le monde de la pharmacie. On travaille ici en France avec des acteurs dans le monde de la pharmacie sur des projets Data Lake pour le moment. Au début, c'était souvent les startups qui choisissaient AWS parce que ça leur permettait de pouvoir démarrer sans faire de gros investissements matériels. Maintenant, on voit des sociétés de toute taille, size, je pense encore en anglais, aussi bien des PME que des grandes entreprises du CAC 40. 80% des entreprises du CAC 40 aujourd'hui utilisent des services AWS. Donc le concept du data lake, c'est celui-là. Vous avez vos bases de données traditionnelles, là où se trouvent vos données. Vous avez les nouvelles sources comme le web, le crawling que vous pouvez faire sur le web ou les réseaux sociaux. Vous avez des sources venant des appareils mobiles, les flux d'activité, les flux de clics dans les applications mobiles, par exemple. Des senseurs, si vous êtes dans le monde de la IoT. Je parlais avec des gens qui gèrent des grands buildings et des flottes de buildings. Ils ont des milliers, des dizaines de milliers de senseurs dans des buildings aujourd'hui pour mesurer la structure des bâtiments, pour la température, l'électricité, la fourniture en eau, le recyclage d'eau, etc. Donc c'est énormément de données qu'ils ingèrent. Un endroit centralisé, je vais vous expliquer pourquoi nous pensons qu'S3 est le bon endroit pour stocker vos données. Et puis à partir de là, créer un catalogue
catalogue de données, savoir ce qui est disponible dans quel format pour pouvoir aller plugger des outils d'analyse, soit les outils d'analyse AWS, soit d'autres. L'idée, c'est que chaque brique ici soit interchangeable par une autre parce qu'on respecte des standards. Quand on parle de format de fichiers CSV, Parquet, Avro, ce sont des choses que vous pouvez traiter vous-même sans nécessairement passer par AWS. Alors l'offre AWS est assez large, le slide de Bradley l'a déjà montré avant. On pense avoir une offre extrêmement large et extrêmement profonde, aussi bien au niveau de l'ingestion des données que de la création de la structure du data lake, différentes formes de bases de données, d'analytique, mais je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui, je voudrais plus parler du process en lui-même, et montrer quelques exemples concrets, comment vous pouvez faire concrètement pour ingérer des données, comment vous pouvez faire concrètement pour analyser des données. Donc les étapes clés de la construction d'un data lake, que je suppose que vous connaissez aussi, choisir son outil de stockage, où est-ce qu'on va mettre ce flux de données. Il faut une source qui soit durable, donc on ne va pas perdre des données, sécurisée évidemment, et scalable, qui peut passer à l'échelle, on peut passer de quelques gigabytes à des terabytes, à des exabytes éventuellement de données. Comment organiser la collecte des données, est-ce qu'on va parler batch ou temps réel pour des senseurs peut-être, batch pour des exports, imports, peut-être des migrations, one shot, vous avez peut-être des historiques de bases de données on-prem ou chez les providers, comment vous pouvez les intégrer, les ingérer dans le cloud, on va voir quelques options. Comment découvrir les données qui sont là. La phase la plus longue, la plus difficile souvent, nos clients nous disent 80% du temps du projet Data Lake se passe là. Comment nettoyer vos données, comment les massager, les faire du massage sur les données, les transformer, les préparer pour qu'elles soient exploitables par d'autres systèmes. Comment mettre en place les règles de sécurité qui vont définir qui a le droit d'accéder à quelles données et quand. Enfin, finalement, c'est presque la partie la plus facile, c'est comment exploiter la donnée et la mettre... excusez-moi, si vous prenez des photos, je vous laisse... Mais vous aurez les slides après, hein. Je pense que Sagi va donner les slides, je les ai donnés à Sagi, donc vous aurez les slides. Et comment exploiter cette donnée ? Au cœur du Data Lake, un système de stockage, Amazon S3, c'est le plus vieux service d'AWS, c'est le premier service qu'on a lancé en 2006, c'est un bel adolescent maintenant, il a 13 ans, c'est un service qui quotidiennement a des millions de requêtes à la seconde, on a des dizaines de milliers de clients qui stockent des terabytes, voire des petabytes de données dans Amazon S3. L'avantage d'S3, c'est sa très grande durabilité et sa très grande disponibilité. Durabilité parce que quand vous déposez un objet sur S3, nous allons le répliquer sur 3 zones de disponibilité. Alors, je ne vais pas rentrer sur le détail de ce que c'est qu'une zone de disponibilité, mais globalement, c'est un groupe de data center. Donc, chaque fois que vous mettez un fichier sur S3, ce fichier est répliqué au moins sur 3 data center. Ce qui fait que nous avons une durabilité statistique assez élevée. On parle de 11,9 de durabilité, 99,9999999999. C'est pas très précis, enfin si c'est très précis, mais c'est pas très parlant, c'est pas très imagé, c'est quoi 11,9 de durabilité. L'idée c'est que si vous avez 10 millions de fichiers sur S3, c'est beaucoup mais c'est pas énorme, 10 millions de fichiers sur S3, nous pourrions statistiquement perdre un fichier tous les 10 000 ans. Ça c'est la durabilité d'S3, c'est la garantie qu'on vous donne quand vous déposez des fichiers sur S3. Et le système est conçu également pour avoir un très haut taux de disponibilité à cause de la réplication. Donc S3 est... Nous avons des SLA sur S3, je n'ai pas les chiffres en tête, je ne sais pas si tu connais les SLA sur S3. Bon, enfin, on a des SLA sur la disponibilité d'S3 également. Vous pouvez déposer n'importe quel type de fichier dans S3. On parle de stockage d'objets. C'est quoi un objet ? C'est un peu vague, c'est un fichier. Ce qu'il y a dans le fichier, ça ne nous regarde pas nécessairement. Ça peut être la vidéo, ça peut être du CSV, vous choisissez le format, Parquet, Avro, ce sont des fichiers. Donc vous choisissez le format des fichiers. Il n'y a aucune limite de taille, ni pour un fichier, ni pour l'ensemble des fichiers que vous allez mettre dans S3. Donc je dis souvent, la limite, c'est votre budget, c'est combien vous êtes prêt à payer pour stocker vos fichiers. Il ne faut pas nous appeler avant non plus, c'est tout à fait on demand. Si vous avez un terabyte à uploader demain, il ne faut pas nous appeler pour dire, est-ce que vous pourrez réserver un peu de capacité ? Non, vous uploadez le terabyte et... vous pouvez commencer à utiliser vos fichiers immédiatement. Ce qui est important de comprendre dans S3 aussi, c'est que on a différents modes de stockage. On a le S3 standard que tout le monde utilise depuis plus de 10 ans, mais on a aussi des modes de stockage, des tiers de stockage différents, avec peut-être un peu moins de durabilité pour des données que vous pouvez reconstruire, par exemple, des données qui sont
qui ont été générées et qui permettent, en échange de cette baisse de durabilité, d'avoir un meilleur prix également. Donc si vous êtes très sensible au niveau du budget, il y a différents modes ou tiers de stockage sur S3 qui vous permettent d'obtenir le meilleur prix pour la donnée que vous avez besoin. Et si vous ne savez pas quel mode de stockage choisir, l'année passée, nous avons introduit du intelligent tiering, où le système va analyser vos patterns d'accès aux données et, en fonction de vos patterns d'accès aux données, va automatiquement déplacer les données sur un tiers ou sur l'autre, de manière à ce que vous payiez le juste prix en fonction de votre usage d'Amazon S3. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vos données sont là, la plupart des frameworks Big Data que vous connaissez supportent nativement S3. Vous pouvez faire tourner du Big Data, vous pouvez faire tourner du Hadoop, vous pouvez faire tourner du Spark sur des clusters S3. Et je dis souvent qu'un des avantages de se faire, c'est de séparer les nœuds de compute des nœuds de stockage. Auparavant, quand vous tourniez un cluster Hadoop, si vous aviez besoin de plus de capacité file system, vous deviez démarrer des nouveaux nœuds Hadoop pour ajouter de la capacité HDFS sur votre cluster. Mais ce faisant, vous ajoutiez non seulement de la capacité de stockage, mais aussi de la capacité de calcul, et vous payez pour cette capacité de calcul. En séparant la capacité de calcul de la capacité de stockage, vous pouvez obtenir un meilleur coût d'optimisation de votre cluster en ne démarrant des nœuds que pour la partie compute et en laissant les données dans Amazon S3. On a parlé de la réplication des données, on a parlé de la sécurité également. Tous les transferts se font au niveau SSL évidemment, donc les données sont chiffrées en transit, les données sont chiffrées au repos également, et vous pouvez soit laisser S3 faire le chiffrement des données, soit le faire vous-même, donc vous avez le choix. Vous avez également le choix dans la manière dont nous allons gérer les clés, soit de vous laisser le système faire, soit de vous gérer les clés vous-même dans AWS, soit de vous gérer vos clés vous-même on-premises, et on a des tas de partenaires qui vous aident à gérer des clés, notamment des solutions de Thales qui permettent de gérer vos clés de chiffrement. Comment vous importez vos données dans le cloud ? Ça dépend de ce que vous voulez faire, soit en batch, soit en temps réel. Dans les deux cas, on a beaucoup de solutions qui peuvent vous aider. Je ne vais pas rentrer dans toutes les solutions, mais vous pouvez avoir des lignes dédiées, des lignes louées, une connectique réseau entre vos data centers et le cloud AWS directement. Et on a des points de connexion ici à Paris où vous pouvez venir vous connecter. En temps réel, beaucoup de nos clients utilisent un système qui s'appelle Kinesis, qui est un système d'eventing qui permet de recevoir une grande quantité d'événements et de pouvoir les garder en mémoire pendant un certain temps, ou vous pouvez écrire des applications qui vont aller consommer ces événements. Mais on a d'autres systèmes, notamment basés sur Kafka ou sur d'autres systèmes de messaging également, qui vous permettent d'ingérer des données en temps réel dans le cloud. Juste deux petits exemples, si vous avez de gros volumes de données, nos ingénieurs ont créé une solution qui s'appelle Snowball. Snowball, c'est une grosse valise entièrement sécurisée, physiquement sécurisée, donc elle peut être secouée, elle peut être mise dans l'eau, etc. Elle respecte des standards assez élevés en matière de résistance au choc. On vous envoie ça par votre transporteur favori, vous avez une étiquette en encre digitale sur le device, vous la connectez à votre réseau, vous uploadez vos données. Une fois que vos données sont sur l'appareil, vous le débranchez, l'étiquette change et vous le renvoyez chez Amazon, où nous allons le connecter à nos data centers et envoyer ces données sur S3. Vous pouvez en commander plusieurs, évidemment, et transférer vos données de cette façon-là. Souvent, ça va beaucoup plus vite que d'utiliser la bande passante réseau, parce qu'on peut mettre plusieurs terabytes jusqu'à 100 terabytes sur une seule boîte, et puis vous pouvez en commander plusieurs, évidemment. Si vous avez des besoins plus grands en matière données, on a le modèle un peu plus grand qui s'appelle le Snowmobile. C'est un camion de 14 mètres, c'est un data center sur roues essentiellement, avec un système d'alimentation. On vient le garer à côté de votre data center, il faut avoir une place de parking évidemment. On branche le courant, il y a un rack réseau qu'on peut déployer avec 2 km de câble à l'intérieur. On va se brancher sur votre réseau, vous envoyez les données sur le Snowmobile. Nous retournons près de notre data center et on ingère tout ça dans Amazon S3. On a des sociétés qui utilisent ça, par exemple une société qui fait de l'imagerie satellite aux États-Unis et qui ont des terabytes de données. Ne sous-estimez pas la bande passante d'un camion.
La latence n'est pas très bonne, on parle plusieurs jours évidemment, mais la bande passante est énorme, on peut déplacer jusqu'à 100 pétabytes de données en un seul coup avec Snowmobile. Une fois que vos données sont dans le cloud et sont sur Amazon S3, comment vous pouvez les découvrir ? Un service qui peut vous aider beaucoup s'appelle Amazon Athena. Amazon Athena est un service qui permet de faire des queries SQL directement sur les données, sur les fichiers CSV que vous avez dans Amazon S3. Peut-être que certains connaissent Presto. Oui, donc Amazon Athena, c'est un Presto managé, c'est un ensemble de serveurs compatibles avec Presto. On supporte le data language de Hive, vous connectez Athena, vous dites où sont vos tables et vous pouvez commencer à faire des queries select sur vos données. C'est un service que j'utilise énormément, notamment pour de l'analyse de logs, par exemple, savoir qui se connecte d'où, des logs du Edge ou des logs d'accès à S3 lui-même. Pour préparer vos données, un service qui s'appelle Glue, je vais faire une petite démo après, alors je n'ai pas de réseau ici, donc ma démo sera basée sur des screenshots, c'est une démo un peu statique, mais pour vous montrer le principe de l'utilisation de Glue. L'idée de Glue, c'est de découvrir automatiquement vos données, donc on lâche des crawlers sur S3 ou sur d'autres sources de données, il va scanner, analyser la structure des données, construire le data model automatiquement, donc le Hive DDL dont je parlais avant, fournir un environnement d'exécution de transformation de données, que vous connaissez déjà, il n'y a rien de propriétaire ici, on parle de Spark, soit en Scala, soit en Python, et donc vous pouvez lancer des jobs de TL pour la transformation des données, transformer les données entre S3 vers S3. Pourquoi transformer les données ? Pour les enrichir, pour les nettoyer, pour les préparer aux futures tâches d'analytique un peu plus loin dans la chaîne. Je vous montrerai Glue plus en détail avec des screenshots, comme ça vous verrez exactement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, on supporte Apache Avro, on supporte JSON, on supporte CSV, il est capable de reconnaître tous ces formats-là, et vous pouvez plugger votre propre plugin, vous pouvez écrire votre propre plugin si vous avez des formats de données propriétaires. La sécurité des données et la sécurité des accès à ces données, c'est notre première priorité et c'est votre première priorité aussi. Donc on a énormément d'outils qui permettent de configurer la sécurité de vos données dans le cloud. Le premier s'appelle IAM, il gère qui a accès à vos comptes AWS et permet de définir les permissions. Mais nous avons beaucoup de données de services également qui permettent de chiffrer les données, de manager les clés, de gérer les clés dans le cloud. Un service qui s'appelle KMS, Key Management Services, permet de gérer, de faire des rotations de clés automatiquement dans le cloud et de contrôler qui a accès à ces différentes clés. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, ce sont nos clients qui utilisent des tags. Des tags, ce sont des étiquettes, des labels qu'on peut attacher à quelque chose. Historiquement, on attachait des labels à des serveurs, à des virtual machines ou à des utilisateurs, etc. Dans le cloud, on peut labelliser des choses qui sont immatérielles, comme des réseaux ou comme des fichiers par exemple, donc vous pouvez labelliser vos buckets S3. On voit beaucoup de clients qui utilisent les tags pour l'approche sécurité également. Par exemple, on pourrait avoir un tag qui dit cost center. Mon cost center c'est 1, 2, 3, 4. Je pourrais, moi utilisateur, avoir un label cost center 1, 2, 3, 4, et vous pouvez attacher aussi un tag à certaines données ou à certaines directories, disons compartiments, buckets S3 avec le même cost center, et puis créer des politiques de sécurité qui disent si le cost center de l'utilisateur Sébastien est le même cost center que le dossier machin chose dans S3, alors je lui donne l'accès à ce fichier-là. C'est une nouvelle manière de gérer la sécurité. On parle de Attribute-Based Access Control, ABAC, là où avant on parlait de Role-Based Access Control, RBAC. En RBAC, vous attribuez des permissions à des rôles, et puis vous donnez des rôles à des personnes. Le problème, c'est qu'on a de plus en plus de ressources à taguer, ça devient difficile de gérer toutes ces policies, toutes ces politiques d'accès pour différents rôles. Et donc l'Attribute-Based Access Control, basé sur les tags, vous permet de réduire le nombre de politiques de sécurité et le nombre de politiques d'accès. Enfin, pour visualiser la donnée, une fois qu'elle a été préparée, vous pouvez aller plugger vos propres outils d'analyse. Nous en fournissons un aussi qui s'appelle QuickSight.
Un exemple de client qui a créé un énorme data lake sur AWS, je suppose que tout le monde connaît la société Epic et Fortnite. Si ce n'est pas vous directement qui utilisez Fortnite, c'est peut-être vos enfants. C'est mes enfants, je n'ai jamais joué à Fortnite. Fortnite a fait pas mal de buzz cette semaine d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité autour de Fortnite qui a disparu dans un trou noir et qui est revenu deux jours après. Super buzz marketing pour passer d'une version à l'autre de leur jeu. Donc ils ont plus de 125 millions de joueurs dans le jeu avec des pointes à plusieurs millions de joueurs concurrents quand ils organisent des tournois notamment. C'est un jeu gratuit, donc leur business model, c'est d'aller vendre des options dans le jeu. Et donc pour ça, il faut bien comprendre quelle est la bonne option à me proposer à moi, joueur, en fonction de mon profil, du moment de la journée, de ce que j'ai fait, être capable de me fournir la bonne suggestion pour le bon, je ne sais pas quoi, puisque je n'ai jamais joué à Fortnite, arme, caractère, peu importe, de manière à convertir leur proposition en un achat qui leur apporte du revenu. Et donc ils ont construit un énorme data lake qui est alimenté par différentes sources, notamment les clients du jeu, les game servers aussi, et différentes autres data sources. Ils ont deux pipelines d'ingestion, un en batch, un en temps réel. Celui en batch se base sur des données qu'ils ont dans des bases de données, sur des données S3. Ils utilisent des transformations ETL basées sur EMR. EMR, c'est Elastic MapReduce, c'est un service managé pour faire tourner du Hadoop sur AWS. Et ils créent leur data lake dans S3 sur lequel ils branchent des outils d'analyse. Ce n'est pas QuickSight ici, c'est Tableau. Comme je vous disais au début, on peut changer les briques comme vous le souhaitez. Le real-time est intéressant parce que c'est celui-là qu'ils utilisent dans l'engin de jeu, prendre différentes données qui viennent de votre historique de jeu et vos actions en temps réel ou en temps presque réel dans le jeu et appliquer différentes analyses pour vous suggérer des suggestions d'achat, mais aussi pour établir le leaderboard, donc le tableau des scores par exemple en temps réel avec une base de données NoSQL managée qui s'appelle Amazon DynamoDB. Si vous pensez que créer un data lake, ça prend trop longtemps, vous avez entendu ce matin, 75% des projets Big Data échouent, n'arrivent jamais en production. Depuis cette année, on a un service qui s'appelle Amazon Lake Formation, qui aide à automatiser les étapes de création et de gestion d'un data lake. Donc tout ce que j'ai dit avant peut être créé automatiquement par Amazon Lake Formation. Quelques bonnes pratiques, si vous déployez. Pensez en termes de process et pensez en termes de loosely coupling entre les différentes tâches. Chaque brique doit pouvoir être indépendante. Je parlais de Fortnite qui utilise Tableau comme brique de visualisation plutôt que QuickSight. L'important, c'est de garder un format de données ouvert sur lequel différents outils peuvent venir se plugger. Si vous ne voulez pas utiliser Amazon Athena pour faire l'analyse de vos données, vous pouvez plugger un Presto que vous managez vous-même, ou vous pouvez plugger un cluster Hadoop que vous managez vous-même on-prem ou dans le cloud. L'important, c'est l'ouverture du format de données et que chaque brique soit interchangeable dans les différentes étapes du process. Observez vos contraintes techniques, choisissez la meilleure technologie en fonction de vos contraintes techniques. Pensez notamment au volume des données, pensez au format des données. Je rajouterai, enfin où j'en parlerai un tout petit peu après, mais de faire un peu de FinOps aussi. FinOps, c'est cette nouvelle practice qui consiste à changer un tout petit peu son architecture pour s'adapter aux coûts et pour essayer de payer le moins possible auprès des providers. Je vous donnerai un exemple juste après. Essayez d'aller sur des services managés ou des services en serverless. C'est quoi les services managés? Ce sont des services où vous ne gérez pas des virtual machines vous-même. Il n'y a aucun avantage pour vous ou pour des data scientists à démarrer un système d'exploitation, à patcher un système d'exploitation, à installer Hadoop à la main avec toutes ces dépendances. Vous allez mettre des jours dans le meilleur des cas. Si vous automatisez, vous allez mettre des heures, alors que vous pourriez avoir ça en quelques clics dans la console. Gérer des machines, gérer des systèmes d'exploitation, installer des frameworks, ce n'est pas votre job, ce n'est pas ça qui apporte de la valeur à vos applications et à vos données. Donc concentrez-vous sur les choses que vous pouvez faire, les choses qui vous apportent de la valeur au niveau métier, et laissez les tâches de bas niveau d'infrastructure à quelqu'un d'autre, à nous en l'occurrence, ou à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas votre métier de créer des serveurs. Chiffrez partout et le plus possible. Dans tous nos services, on a des options pour avoir un chiffrement au repos du
pour les data at rest, avec les différentes options de gestion de clés dont je vous ai parlé, mais chiffrées, que ce soit côté serveur ou côté client. Et puis FinOps, justement, prenez conscience des coûts. Un simple exemple, avec Amazon Athena, vous payer au gigabyte de données qu'on scanne. Donc pour pouvoir répondre à une requête select quelque chose, on va devoir scanner les données sur S3, en gros scanner les tables pour pouvoir répondre à votre demande, et vous allez payer au gigabyte de données scannées. Ça peut coûter très cher très rapidement si on ne pense pas nécessairement au format de données avant. Par exemple, si vous faites des queries qui sont toujours basées sur le temps, c'est intéressant de partitionner vos données sur unité de temps. Par exemple, créer une subdirectory par jour, par heure, par mois, etc., comme vous le faites déjà probablement avec des clusters Hadoop aujourd'hui. Parce que de cette façon-là, Athena n'ira scanner que la subdirectory en question. Si je demande quelles sont les données pour aujourd'hui, on va aller scanner que cette partition-là de mes données et pas l'ensemble des données historiques qui ont été stockées sur Amazon S3. Et ça vous permettra de réduire énormément vos coûts sur Amazon Athena. Donc l'idée d'appliquer quelques optimisations, quelques changements de format, quelques changements d'architecture pour tirer le meilleur coût. Alors comme je l'ai dit, la démo va être en mode sécurité. J'avais prévu de ne pas avoir de réseau ici dans la salle. Donc en plus d'une ceinture, j'ai mis des bretelles et j'ai pris un parachute. Et j'ai fait des screenshots. Et donc la démo sera basée sur un flux de screenshots simplement. Vous pouvez refaire cette démo chez vous. On a un blog qui explique comment faire cette démo. L'idée est de prendre un jeu de données public. Ici, ce sont les données des taxis de New York. Quand est-ce qu'ils ont pris des clients, ou combien ça a coûté. Donc on a la date, l'heure, la latitude, la longitude de l'endroit où on a pris le client, où on a déposé le client, puis voir comment on peut ingérer, transformer ces données et faire de l'analytique sur ces données. Donc les données, les raw data bruts qui viennent des taxis de New York sont sur Amazon S3. On va utiliser AWS Glue pour découvrir ces données, créer un catalogue. Donc il va nous structurer globalement les tables, les différents types, il va découvrir ça tout seul. On va faire une transformation avec Glue également, lancer un job Spark pour transformer, enrichir ces données et les redéposer dans S3, et puis plugger des outils d'analyse comme Athena ou comme QuickSight sur ce genre de données. Donc tout commence dans S3, vous êtes dans la console S3 et vous avez des directories, vous avez des fichiers, ils ne sont pas très gros ici, hein, on parle de 1,3 giga par fichier, avec toutes les données de voyage, ce sont des données qui datent de 2018, vous avez un fichier par mois, janvier, février et ainsi de suite. C'est anonymisé évidemment, donc il n'y a aucun souci en matière de respect de la vie privée. La première chose à faire une fois que vous avez vos données dans S3, c'est de vous gratter un peu et de vous demander c'est quoi le format des données. Donc vous allez sur le site qui a publié les données, lire la documentation, c'est toujours important de lire la documentation, et de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers, quels sont les formats. Mais vous n'avez pas envie de créer ces structures de données vous-même dans AWS, donc autant lâcher un crawler qui va découvrir ces données automatiquement pour moi. Donc dans AWS Glue, il y a ce concept de crawler, et la seule chose que vous devez dire au crawler essentiellement, c'est dire, lui donner un nom évidemment, et lui dire où se trouvent mes données, quel est mon data store. Ici c'est S3, et vous donnez l'URL de votre bucket S3. Ensuite vous dites au crawler quel est le rôle qu'il va utiliser, donc quelles sont les permissions qu'il a. C'est là que vous allez dire, voilà, le crawler, il a accès à ce bucket-là dans S3 et rien d'autre. Et vous terminez en donnant la fréquence. Est-ce que vous voulez un batch qui tourne tous les jours, toutes les heures, ou au contraire, est-ce que vous le voulez à la demande quand vous cliquez ou quand vous faites un appel d'API. Où est-ce que le crawler doit mettre ces données? Ben ici, je vais les mettre dans une base de données d'AWS Glue. Attention, ce n'est pas une base de données, c'est un catalogue de formats de données. Donc essentiellement, c'est un DDL Hive, c'est juste un catalogue qui décrit les données. Vous pouvez suivre l'évolution avec des logs, savoir ce que le crawler fait. Et après un certain temps, vous allez retrouver dans Glue une définition de table. Je répète encore, ce ne sont pas des tables au sens de base de données relationnelles, ce sont juste des DDL, ce sont juste des définitions de structures de données qui auront été découvertes par Glue. Et vous pouvez voir ce que Glue a découvert, ce que le crawler a découvert. Il a les noms des colonnes, il a les types, la plupart du temps il est correct sur le type. Il a également quelques statistiques sur la taille des fichiers, des données qu'il a analysées, le nombre de colonnes, quel était le délimiteur, et des choses comme ça.
partir de ce moment-là, puisqu'on a le DDL, puisqu'on a la structure des données, on peut directement aller dans Athena et directement commencer à faire une query juste pour voir si ça marche. Ici, on limite aux 10 premiers, évidemment, et on voit qu'effectivement, on peut faire une query avec select. On a le pick-up time, on a le drop-off time, le nombre de passagers, la distance en miles, le rate code ID, je n'ai aucune idée de ce que c'est, etc. Il y a d'autres données, il y a la latitude, la longitude de l'endroit où on a pris le client, où on a déposé le client, et ainsi de suite. L'étape suivante serait de transformer les données. Alors dans la démo et dans le blog ici, on dit OK, ben on va lancer un cluster et un job Spark pour transformer les données. Et là, nouveau, c'est que du très standard. Vous avez l'habitude de faire ça, que ce soit on-prem ou sur d'autres vendeurs de cloud. Ici, on manage juste l'exécution de Spark. Donc, vous n'avez pas de machine virtuelle à installer, vous n'avez pas Spark à installer vous-même. Vous nous donnez le script Spark, et c'est nous qui nous chargeons du reste. Nous, on va créer l'environnement d'exécution et faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. C'est du mode managé, c'est du mode serverless. Vous ne voyez pas de serveur, vous n'avez pas à gérer des serveurs pour faire ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en Spark, on supporte Scala, évidemment. On supporte Python également avec PySpark. Vous donnez l'endroit où se trouve votre script, une directorie de travail. Et puis Glue va vous générer un script, un template. Et à partir de là, vous pouvez vous lâcher, écrire tout le code que vous voulez. C'est du code Python ou c'est du code Scala, si vous choisissez Scala. Et vous avez les différentes étapes de transformation. Donc là, c'est du 100% pur Spark. Il n'y a absolument rien de propriétaire AWS à ce niveau-là. On part d'S3 et on arrive dans S3. Ce job, vous pouvez de nouveau le lancer à la main ou vous pouvez le scheduler pour le lancer à des intervalles réguliers dans le temps. Une fois que vous avez fait ça, on revient sur Athena, mais cette fois-ci, on le branche sur la partie output. Est-ce que je peux montrer la partie output? Oui, là, démo output. Et de nouveau, vous pouvez faire des queries pour aller voir les données, pour aller exploiter les données qui ont été générées par le script Glue. On voit ici la query est un peu plus compliquée avec la distance moyenne, le prix par miles, et puis avoir les percentiles 10, 50, 99 des prix payés. Une fois qu'on a ça, on branche QuickSide sur S3. QuickSide reconnaît la structure des données et en drag and drop, on peut créer différents dashboards et mettre ces dashboards à disposition de vos utilisateurs. Depuis quelques mois, on a rajouté une fonction de prédiction, donc une fonction de machine learning à QuickSide également. Donc on peut demander de faire des prévisions sur base de l'historique qu'il a consulté. Vous avez en partie en bleu, c'est les données telles qu'elles sont dans Amazon S3. La partie en orange, ce sont les prévisions. Évidemment, ça suit le pattern sans trop de surprise. Si vous voulez exploiter les données et jouer avec les données au niveau d'AWS Glue, en tant que data scientist, vous avez certainement l'expérience des notebooks Jupyter. Donc, vous pouvez créer votre propre notebook Jupyter, de nouveau sans avoir à installer Jupyter, sans avoir à démarrer votre instance EC2. Vous dites juste « Create notebook » et puis vous recevez un notebook à votre disposition avec Jupyter de façon tout à fait standard, à partir duquel vous pouvez expérimenter sur les données. Voilà, j'ai dépassé d'une minute, je m'en excuse. Si vous voulez connaître plus de cas d'usage AWS, je vous invite à rejoindre le podcast AWS en français. Vous allez le retrouver sur iTunes, Deezer, Spotify et les plateformes de podcast traditionnelles avec un épisode par mois environ. Je reste à votre disposition dans le couloir pour répondre à vos questions. Je ne peux pas prendre de questions maintenant parce que je suis arrivé au bout du temps, mais merci de m'avoir écouté. Merci.